national, la primature, le haut état-major de la PNH, le responsable, le compte ça va passer le responsable. Et que c'est on passe c'est on sort à vue. Pas rien nous capable d'atteindre de Monsaïo depuis après dramatisant côté que nous avons des policiers qui en dedans les forces spécialisées nous qui étaient tombées et que l'État était à genoux pas de chercher eux et que ils étaient préférés à négocier un chat seulement contre support monio sur la vie qui parti sur dignité pays depuis les ça pas de soir et je ne veux dire leur bandit qui était fier pour descendre le saisir commissariat pour descendre vous faire des attaques sous population c'est grave et puis sous silence complice régime qui est en place. Même position pour le mouvement Haïti qui critique l'autorité ou l'édit qui perd le contrôle. PIA, Delson Sius, l'ange de l'île sous pouvoir, tête calée à l'édit qui pas innocent. Dans façon gang yo a pas poussé tant coup John John dans la société haïtienne, non. Delson Sius qui croit, je dis à l'autorité concernée aussi, vraiment aussi autorité concernée, t'as dû prendre responsabilité face avec à cause gangstérisation qui gagne dans le pays. En côté Delson Sius. Pratique violation de l'amounio vient multiplier. Chaque jour, les nous considérer quantité massacre qui fait dans le pays, particulièrement dans le quartier La Saline, dans Belé, dans Cafoufeuille, dans Cité Soleil et La Trier. Quantité militants politiques qui perdent la vie dans la bataille pour changer le système là. Quantité familles qui victimes, actes kidnapping, violence, assassinat et criminalité. Et quantité haïtien qui vivent dans la pauvreté et qui viennent plus pauvres, qui évaluent avec plus passé 8 millions. Fédération gagne te clair dans le message. Pas de gain mobilisation qui fait dans le quartier populaire. Yo. Tellement la police perd le contrôle capital du pays d'Haïti, dans le dernier moment, yo, plusieurs policiers tombés en bas de bandit. Population Matissan, Fontamara, La Boule, Delma 2, Bel Air, Cité Soleil, pas qu'à vivre dans la tranquillité en bas coup de balbandi. Et plusieurs citoyens dans le quartier Sayo déjà perdu la vie dans l'après-midi vendredi 4 pour arriver journée dimanche 6 juin 2021. Toute société a constaté à clair, gang armé au gain couverti, parce que depuis quelque temps, pas jamais gain aucune volonté politique qui manifestait pour garantir sécurité population ni pour freiner action criminelle groupe gang armé dans société a. Toujours dossier insécurité, président parti place pas cache inquiétude li face à Kazak insécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince. D'après Dieu donné l'érection phénomène insécurité, ça c'est résultat mauvaise gouvernance depuis plus passé l'année dans pays et puis ça a bien gros conséquences sous pays, leader politique là qui t'a pas réagi sur dossier ça, moi descend avec autorité concernée pour ben moi avec institution qui là pour protéger population, dans l'idée pour capable rétablir l'ordre dans pays, puis le professeur l'élection moi d'être responsable dans l'état pour prendre bon jamais une façon pour freiner Zak Bandio, en côté déclaration d'une élection dans micro Blaise Peterson. Situation qu'a développé Matissan avec toute zone qui avoisiner Lyon. Donc, li préoccupe nous n'a pas de plan pas au plus haut niveau. Et je crois que la situation ça li préoccupe tout haïtien qui est sens nationaliste. Ça qu'a développé Matissan, tout comme ça qu'on développé Village de Dieu, Cité Soleil, tout quartier qui réputé zone de non-droit, ça qu'a développé Bel Air. Li, c'est résultat mauvaise gouvernance depuis environ 215 années. Plus précisément, mauvaise gouvernance pendant 35 dernières années que nous connaissons dans le pays. Ça a passé, situation d'insécurité que tout haïtien a vivre là. Dans le dernier moment, c'est conséquence également faiblesse de l'État.
L'autre dossier dans le journal, l'avocat Armel Lafleur vous rejetez toute accusation viol qui a pesé sous Dolio. Dans une conférence pour la presse à lundi, avocat pasteur a fait qu'on est Armel Lafleur victime de une machination qui visait sale image homme de Dieu. Maître Jean-Ronel Sistanis qui qualifié feuilleton accusation ça a garanti. Il a travaillé au niveau de la justice pour capable blancher l'idée religieuse. Toute vieille accusation ça a eu un côté Jean-Ronel Sistanis. Nous rencontrons la presse matin et fort moins d'entrée de jeu que nous pas là comme avocat pour nous dire que pasteur Armel Lafleur pas de commettre viol, les pas de faire séquestration, les pas de faire exploitation, parce que en tant qu'avocat, en tant que spécialiste, nous connaissons ça pour nous faire devant tribunal, nous connaissons ça là-bas comme moyen pour nous défendre et mettre hors des liens de l'occupation. Mais nous là, surtout pour nous aborder aspect moral question. Parce que, fortement dit, nous sommes capables de constater sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo de monde qui dit que c'est un pasteur qui annonçait que pasteur Armel Lafleur pral prend un show, il y a des documents, et c'est pas longtemps, et pasteur pral prend un show. Donc, et de fait, nous avons ça qui a passé là, un petit temps après. Donc c'est pour dire que c'est un dossier qui sans doute monté pour assassiner moralement pasteur Armel Lafleur. Parce que annonce était faite et dans un petit temps tout coûte, nous ça qu'a passé dans la société. Il y a une dame qui s'appelle Stéphanie Jean-Pierre. Bagarre contre lui. D'abord, je la respecte parce que c'est un être humain. Je la respecte parce que c'est une femme. Le point d'actualité à la cabinet Advocatus, qui a collectif avocat pour défense droit monde, qui t'a accompagné plusieurs victimes, Fondamara, avec Matisse a déposé jeudi lundi à la en plein paquet de presse, code pouvoir en place pour porter assistance à monde qui en danger depuis plusieurs jours pour association malfectée, violation droit monde, ça y est, qui vit avec, dans son ambassade, pour ne citer ça seulement, responsable cadeau à mettre, Arnel Rémy, critiqué complètement autorité dans l'état, l'idée qui croisé, Boyo qui pas fait rien a regardé son en troisième nan qui a victime en bas mais nèg exam cap troqué connio depuis plusieurs jours ça qui la cause à majorité population quitter la caillou sans en pile là dans yo par contre qui côté praler d'après homme de loi c'est un droit citoyen gagné pour l'état protéger ba yo sécurité li espérer juge cap désigné sous dossier ça qu'a attendre cette autorité dans l'état parmi yo DGA IPN à Léon Charles ministre justice à sécurité publique là Wakfele Vincent Premier ministre à Ian, qui c'est Claude Joseph, qui fait yak mission yo. En côté, mettre Arnel Rémy dans le micro, José Belamour. Je dis là, nous-mêmes au niveau du cabinet Advocatus, l'offre et le cadeau, nous sommes au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince, côté que nous avons déposé en plainte dans le cabinet d'instruction contre Louis Gonzague D, Rockefeller Vincent, Léon Charles, le docteur Claude Joseph, le premier ministre à I, pour non-assistance à personne en danger, violation du droit à la sécurité, violation du droit à la vie, et associations malfaiteurs. Alors, cette plainte a été déposée, c'est sur la requête de plusieurs personnes vivant au niveau de Matissan 2A, Fontamara et autres, parce que Mounsayo, yo, c'est des Haïtiens, yo, c'est des êtres humains avant tout. Pendant que yo, c'est des êtres humains avant tout, yo, gain droit à la vie, yo, gain droit à la sécurité, yo, gain droit, pour que dirigeant dans l'État, protéger yo, pour bas aux sécurité. Mais, dans le cas, ça, suit, ça nous constater là, ça fait plus de 96 heures depuis que Mounsayo, yo laissé pour compte, personne pas dit rien, aucun dirigeant pas pour aucune responsabilité, aucun dirigeant pas pour assistance avec yo. Donc, yo même yo estimé que comportement dirigeant yo, c'est des comportements qui a supposé faire objet de la justice. Et mais c'est dans ce sens, après que cabinet Advocatus déposé plainte, non assistance à personne en péril, délit de négligence, association de malfaiteurs, violation du droit à la sécurité, violation du droit à la vie. Donc, tout ça aussi des infractions prévues et punies par la loi, nous avons délit de négligence non, et non assistance à personne en danger prévu par les articles 264 du code pénal, violation du droit à la sécurité du droit à la vie en prévu par l'article 3, l'article 2 alinéa 3C du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Le point d'actualité à l'association route vert technique et tech qui lui-même organisé sans relais une cérémonie là côté honoré 15 personnalités haïtiennes à l'occasion 9e édition honneur à Camérite à lundi à là en baptême en encadré technicien nous yo pour yon demain meilleur parmi personnalités ça yo gagne ancien député Jerry Tardieu, madame Marina Goug, monsieur Léopold Florent Bourgoin, maestra Wendel Coquatello, maître Austin H. Fevry, Monsieur Joël Lorquet et Latrier, président UTECLAN, ingénieur Ruben Nassan, on a discuté circonstances libres, les enfants avec bon gens, encadrement pour professionnels, ça y est pour techniciens haïtiens, bon côté l'État, une façon pour réménager sans délai l'économie pays et puis diminuer dépenses qu'a fait dans importer objets toute qualité. Puis l'ingénieur Sanon expliqué bien fondé UTEC et puis remercier tout le monde qui permet de réaliser 9e édition. Si là, en côté ingénieur Ruben Nassan, qui lui-même c'est président association UTEC, les mêmes qui sont école profé association si la bonne dit bien en côté président là et son harmonie avec l'un de mes antiques journaux publié dans les colonnes du journal Le National le 11 août 2020 et a pour titre un meilleur apprentissage pour une production efficace porte de sortie de l'Institut National de Formation Professionnelle, INFP. Et je lis pour vous. Tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. De cette réflexion, jetons un coup d'œil avisé sur notre secteur éducatif relatif à la formation professionnelle. En effet, l'un des plus grands maux qui gangrène ce secteur, c'est la sous-qualification de nos apprenants. Nous ne sommes pas sans savoir que les patrons qui font appel à des techniciens de l'extérieur du pays sont légitimes. Ils agissent ainsi dans le but de solliciter leur expertise suite à un appel, à un appareil, pour ainsi dire, tombé en panne. Prétextant qu'ils ne trouvent pas ce type de technicien en Haïti. Dans la majorité des cas, ils ont raison. Quand les jours passent, les nouvelles machines sont de plus en plus sophistiquées. Il y en a qui sont à commande numérique. En ce sens, il nous faut des techniciens qualifiés pour pouvoir les réparer. Mais c'est à l'INFP, en tant qu'organe régulateur de la formation professionnelle, de donner le coup d'envoi afin de les bien former pour pouvoir reproduire ou réparer ce dont nous avons besoin qui nous vient de l'extérieur. Capsule Santé, une chronique du docteur Jean-Claude Desgranges. C'est là pour nous faire passer avec Dr. Jean-Claude Desgranges, capoté pour nos capsules santé. Non, le problème du travail, va pouvoir le faire encore. C'est un peu ça, c'est une exposition au même niveau pulmonaire, même si on est un peu malade, on a la condition de faire, il n'y a pas qu'à respirer, il n'y a pas qu'à respirer, il y a pas qu'à respirer, bien sûr, l'offre est un peu avec un petit appareil de l'honnête, ou est-ce que tout va être normal, mais il y a quand même quand il a touché, que Max Antoine sont spécialistes dans affaires droit et puis théologie pour nous dire bien son docteur en question droit et puis théologie. Nous pourrons regarder avec les matins, hein, question décision ça, ensemble de juges dans la Cour suprême États-Unis prend pour pas accorder ça les TPS hein, avec un ensemble de ressortissants illégaux États-Unis. Nous pourrons regarder avec les points ça vraiment et puis l'autre point dans affaires TPS. Docteur Max Antoine, sur plaisir pour nous recevoir matin hein, dans le journal Méga Matin sur antenne Radio Méga. Bon, me dis bonjour avec tout auditeur, auditrice, en effet, qui branché sur Radio Méga FM et qui censé c'est Radio Peuple là. Et me dis merci en pile tout à l'invitation ça, que moi recevoir en provenance de journaliste Peuple là, qui c'est Blaise Peterson. Oui, nous avons pile causer pour nous parler matin, ce qui a très programme TPS là, et qui vraiment. Et a fait la plus le beau temps aux États-Unis d'Amérique. Et pour nous commencer, et en pile, nous bagasse étant devant nous,
Moi pralé d'abord avant m'entrer dans dans toute décision, il faut me préciser pour auditeurs auditrices et programme TPS là d'abord et qui ça que c'est un programme temporaire qui ba mon peuple haïtien près aux environs de 100 000 haïtiens qui aux États-Unis qui ba yo censé ba yo accès pour capable vivre dans pays d'une façon temporaire. Mais cependant et moi crois que tout le monde qui TPS tout connaît tout TPS là tout les paillons résidence ça que nous les LPA. TPS là ça qui vient passer TPS ça wise pour les haïtiens, c'est un programme qui est censé exister depuis sous Obama depuis après bon nous connaît tremblement de terre passé en 2010, il était paraît avec TPS à côté et député qui approuve aux haïtiens et bien à l'époque 2010 ça on était qualifié pour programme TPS à côté que il y a pas qu'à déporter où et côté tout ou des actions pour gagner ça il y a un permis de travail ou capable de travailler et puis ou t'es capable voyager tout. Mais cependant arrivé dans année novembre 2011 qui s'est venu passer c'est que le gouvernement Obama était venu censé fermer TPS là qui avait dit que monde pas appliquer pour lui encore. Mais cependant certes tout le monde qui est gagné est toujours capable de renouveler jusqu'à inscrire dans le gouvernement n'a parlé de gouvernement Trump là. Le gouvernement Trump là ça t'est venu passer en résumé côté Trump qu'on y a arrivé en côté de sens éthique il arrive en côté administration non t'est presque arrivé éliminer programme ça et on fera que s'il t'est éliminé sous président Trump programme ça tout haïtien ça pas un statut et t'a retourné back dans pays la caillou. Mais prêt à monter reste à descendre l'aime de prêt à monter reste à descendre c'est parce que une grande administration n'a fait appel avec gouvernement Joe Biden qui s'en un démocrate. Biden monte qu'on est actuellement là et une ça qui passe là actuellement avec gouvernement Biden non c'est que l'autre jour qui est en date de 22 mai 2021 Joe Biden paraît avec un nouveau programme TPS et programme ça qui est un programme qui est censé gagner plusieurs aspects là-dedans programme TPS et Joe Biden non. Et qui aspect qu'il est là-dedans par exemple et tout haïtien, nous connaissons une approximation de 100 000 haïtiens qui sont censés être TPS et qui ont appliqué pour TPS, là, qui ont gagné dans le meilleur. Mais cependant, tout le monde a pile tout qui n'a pas gagné. Mais cependant, le programme que tu vas donner lui-même était censé aller plus loin que ça, côté que le programme ça n'était pas tout l'autre haïtien qui n'a pas gagné TPS à l'époque Obama. Côté depuis que mon ça vive t'es qu'a prouvé que y a vive aux États-Unis jusqu'à date de 22 mai 2021 et bien mon ça auto capable appliquer pour TPS là OK et mon ça auto capable appliquer pour TPS là et puis TPS programme ça a toujours et il était pas mon auto accès côté qu'a gain permis pour travail et mon ça auto accès pour voyager. Mais ça qui est belle et dans programme TPS du Biden là c'est que il est venu créer tout et on pour on le programme et il y a un autre programme qui était le HP. HP qui signifie que Humanitarian Parole, que y aurait le tout, et EPI, EPI avait dit Advanced Parole, côté que l'idée par accès tout à un. Avec un, par exemple, y a un haïtien de pas nationalité. Y a un haïtien de pas nationalité tout, t'es qualifié pour appliquer pour le tout, jusqu'à présent. Ok? Et l'un des haïtiens de pas nationalité, m'a dit un exemple. Par exemple, nous avons un client moins, et maman n'a pas parlé. Moi, ni maman ni papa c'est haïtien qui ont mais cependant client ça lui même il prend naissance à Paris en France que dit maman papa il était fait en France donc mais cependant il est aux États-Unis donc qui veut dire que à cause de problème que client ça a gagné et il devait arriver déporter en Haïti mais cependant il pas haïtien OK ça dit pas que nationalité haïtien mais il a vécu en Haïti mais de Haïti il a atterri en France il veut vivre en France qu'on y a gouvernement français a bal statut citoyenneté parce que c'est en France qu'il prend naissance. Mais cependant, haïtienne ça actuellement là sous programme Biden, il est capable de tourner États-Unis parce que programme pour une nationalité américaine. Et l'assistance française, mais programme de Biden qu'on a admettre si dame ça capable de tourner États-Unis parce que dame ça et maman n'a pas haïtien et il t'a vu en Haïti. HP a pour qualifier pour lui, il faut qu'on capte vivre en Haïti ou pas de mon nationalité dans le moment que Joe Biden passe loi. OK? C'est très, très, très important. On regarde ça, Dr. Max, décision ça, ensemble de Juna Cour suprême, prend pour que y'a pas baille TPS avec, ensemble de ressortissants qui sont même illégal. Alors, ce qu'avant l'entente, tu es pas décision pour te baille.
Yes, ça d'une part c'est qu'on y a, et oui, ça d'une part c'est actuellement là, c'est que hier là, la Cour suprême prend une décision. Décision ça que la Cour suprême prend, non, c'est qui t'a censé créer ça, une forme de précédence. C'est concernant un dossier qui était là déjà en précédence, qui est José Sanchez et Sonia González, qui était censé, ces deux dames, deux personnes qui vivent en San Salvador, qui étaient entrées aux États-Unis illégal, époque 97-98, et moun sa qu'on y a été besoin faire et résidence sur côté de marié et y a fait mariage puis résidence qu'on y a immigration qu'on y a été refusé par yo et ajustement plus de résidence parce que y a été traversé frontière illégal. OK, donc qu'on y a et avocat qu'on y a été prend dossier hein, et puis dossier ça vient aboutir devant la Cour suprême et effectivement hier la Cour suprême paraît avec une décision. Mais on décision de précédence pour tout le monde qui est pièce, c'est pas simple pour les Haïtiens. Oui. Donc, il faut faire précision ça. OK? Pour dire que, si tu es entré aux États-Unis, ou tu traverses les frontières, ou tu es avec un faux visa, ou tu es entré sans papier, ou en statut illégal, donc, qui veut dire que, on n'est pas capable de faire ajustement. On n'est pas capable de faire ajustement, mais on n'est pas capable d'arrêter les États-Unis temporairement. Mais cependant, c'est lorsque le pays où tu as vu non normal, il est capable de arriver des poteaux. Si toutefois que TPS n'a pas existé encore. Mais cependant, il faut me dire bien, juge, justice, qui prend décision ça, c'est justice Elena Kagan, qui prend, c'est l'un qui est censé écrire pour majorité, malgré son décision unanime. Okay? Mais cependant, il précise tout dans la décision, il dit certes, cependant que US Congress, c'est-à-dire que le Congrès, il est capable de changer. Nous devons faire précision ça. Donc, qu'est-ce que tout le monde saute? Oui, bien sûr. Mais nous avons tout pour la sécurité qui est calme. Il ne peut pas être calme. Parce que, pas oublier que la majorité du Congrès américain actuellement, là, les démocrates, nous connaissons Joe Biden, c'est un démocrate, et la majorité du Congrès, les démocrates, donc, le Congrès a qu'on y a capable, le Congrès est capable de faire changement. Parce que, oui, la Cour suprême fait décision, mais cependant, et son décision est côté que, comment dire, le Congrès est capable override lui. Même devant faire une côté que capable passer à haut niveau, yo fait changement et ça que besoin faire côté que yo capable admettre mon salaire par résidence. Ça veut dire si si le Congrès dit non. Mais c'est bon Congrès capable faire changement ça, il hein? capable renverser décision de la Cour suprême non. Ça veut dire bon l'autre espoir mais bon l'autre chose quand même par rapport à la décision ça que Congrès lui même capable et on dit prendre contre-pied décision jusqu'au suprême yo. Exactement. Yes. US Congress capable faire contre-pied, il est capable intervenir, il dit que je suis pas d'accord avec lui que moun sa désormais et moun sa et que il décide pour moun sa et que soit statut yo ba résidence. Oui, il est capable. On est capable faire ça. Ça veut dire là tout si nous comprenons bien docteur Max Antoine et depuis c'est haïtien bien l'autre nationalité qui au même temps entré aux États-Unis à pied ou bien et les gens je dis là, yo pas qu'à bénéficier et il va bénéficier TPS là. Non, il va dire pas bénéficier non, il est capable de bénéficier ça. Attention mais il faut un peu de confusion. Tout il est tout capable à bénéficier ni TPS là ni un programme HP visa. Il est capable bénéficier mais cependant, il est pas qu'à faire ajustement résidence. Là nous par exemple, les mon agent TPS là, on dit mon fait TPS, il est TPS là mené et puis le monde est marié pour faire résidence là. OK. Mais pourvu que il était entré illégal, monde ça pas qu'à faire résidence là États-Unis, là pour j'ai aller à Haïti pour la comment dire pour la faire justement à l'ambassade américaine. Mais cependant, si mon entrée aux États-Unis, on dit que avec un visa étudiant, ou bien qui a un visa qui nous le visa fiancé, ou bien un visa touriste, ou bien qui a un statut légal déjà aux États-Unis, mais il y a un TPS là, oui, il y a un cas justement normalement. Oh, d'ailleurs, il y a aux environ 85 000 Haïtiens qui ont fait ajustement, qui ont fait résidence dans le même. Mais 45 000 Haïtiens, c'est aussi Haïtiens qui ont été dans le pays déjà. Okay. Et M. Obama est entré légal dans le pays. Ya. Donc, il veut dire que loi contre grande parenthèse pour ne pas faire confusion, donc il n'est pas exclu, et il va faire exclusion générale pour tout le monde qui est en pays. Parce qu'il y a un peu de monde qui est en pays qui pays légalement parlant. Il n'y a pas de 300 000 Haïtiens qui sont en situation, qui sont en situation ça. Oui, bien sûr. Actuellement, oui, bien sûr. C'est 300 000 Haïtiens, c'est Haïtiens, ça eux-mêmes, c'est Haïtiens qui sont entrés illégal dans le pays. Soit avec un visa qui n'est pas normal, mais sans visa, ou même traverser les frontières Mexique ou bien Canada, quand États-Unis. Nous connaissons ça, Roman. Mais il y a capable de compter. Il y a bénéficié de TPS là. Oui, il y a capable d'appliquer pour TPS. Il y a toujours un TPS là. Il y a toujours qu'à renouveler TPS là. Mais certes, mais Mounsa, il y a juste pas qu'à faire ajustement aux États-Unis.
C'est ça. À moins que le Congrès qu'on y a ta intervenu pour ta dire que la Cour suprême n'est pas d'accord avec vous, ou nous-mêmes, nous prenons devant, nous renverser les décisions que nous apprenons admissible pour faire justement ça aux États-Unis. Tout à l'heure, on parlait que vous dites côté Congrès, elle est même capable de prendre contre-pied décision Cour suprême. Non. Mais qu'on y a, c'est comment le Congrès a fait, mais qui est-ce qui a voté de ça devant le Congrès et pour lui-même à le mettre en face Cour suprême? Non. Qu'est-ce qui a voté de ça devant le Congrès? Bon, et mon compte, nous connaissons le Congrès qui a Pelosi, ça que nous le président de la Chambre Congrès, qui c'est Nancy Pelosi. D'ailleurs, le dossier qui est déjà dans la main, Nancy Pelosi actuellement là, l'a étudié le dossier pour y avoir le président de la Congrès, pour y avoir capable de renverser. Et on a dit que décision ça, qui ça sont une décision arbitraire que la Cour suprême prend, mais qui vraiment vrai qui paraît en forme d'injustice pour 300 000 Haïtiens. Ça, actuellement, qui